Good morning, allez, il est sur aujourd'hui le Nishmat, Machlouf, Mitra, Ben Masouda, Rivka, Bat, Levi, Yitzhak, Avraham, Chayin, Orber, Ben Fortune, Mazal, Doven, Yudit, Ninsan, Ben Mafret. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez la 5 minutes éternelle. Nous étudierons aujourd'hui le Maseret Midot, Perikbet, Mishnah, Dalet. Attention, on va utiliser un croquis qu'on a photocopié et que vous n'avez pas dans le PDF qu'on vous a envoyé. Donc si ça vous intéresse de le recevoir, envoyez-nous un mail, on vous le renverra Bezrat Hashem dans la journée. Un mail avec un croquis assez important sur la coupe topographique du Beth Amikdash et du Harabait par rapport au Harazetim qui est le sujet de notre Mishnah. Et on commence tout de suite à traduire. Kol akelim shehayu sham ayu gvoim et kol aktalim shehayu sham ayu gvoim chutz mikotel amizrahi. Tous les murs qui étaient au Beth Amikdash, au Harabait de partout, ils étaient tous très hauts, chutz mikotel amizrahi, à l'exception du mur oriental de l'est, que quoi? Chez Kohen Asoref et Apara, car le Kohen qui brûle la vache, Omed Berosh Haramishra, il se tient en haut du Haramishra, du mont de l'huile, c'est-à-dire le mont des oliviers, Omitkaven Veroe Befitro Shel Hechal Bishat Hazayat Hadam. Et il prévoyait et voyait concrètement même d'asperger le sang de la paradouma en voyant la porte du Hechal. C'est-à-dire, j'explique d'abord de manière très grossière ce qui se passe. On a ici le Har HaBait. Il y a succinctement, on a ici le Kodesh HaKodashim, on a l'ouverture du Hechal, et maintenant, en ligne droite, on va traverser le Shar Nicanor, le portail de Nicanor qui est la porte d'entrée essentielle du Beth HaMikdash. Après la porte ici de la Ezrat Nashim, et puis après on arrive ici au Shahar Mizrahi, à la porte de l'est du Echal. Tout ça c'est en ligne droite exactement. Et si on continue maintenant plus loin, on sort du Beth HaMikdash, et bien on a juste en face le Mont des Oliviers. Il s'avère que du Mont des Oliviers, on a la possibilité de voir l'ouverture du Echal. D'accord ? Quelle est l'importance de voir, la nécessité de voir, ici dans notre Mishnah, c'est capital, parce que la Torah nous a dit, lorsque tu feras la vache rousse, alors elle a dit un pasouk, Veiza el nochar pene ohel moed, il aspergera de son sang face au ohel moed. Donc en fait, lorsqu'on va faire la vache rousse, c'est le fameux rituel pour pouvoir purifier de l'impureté des morts, de celui qui entre en contact avec un mort, il doit prendre une vache rousse, le Kohen il doit l'égorger, et on doit la brûler en face du Ramishra, récupérer les cendres, la mélanger à de l'eau de source. Ensuite, on a de l'eau d'aspersion pour pouvoir se faire purifier de l'impureté des morts. Ça, maintenant, le rituel de la vache rousse, il est assez complexe à faire. Il y a une masechet para dans Taharot qu'on ne va pas étudier pour le moment, où on parle longuement comment faire exactement la para d'Uma. Maintenant, il y a une parmi toutes les halachot qu'il y a, il faut que, à l'extérieur du Beth HaMikdash, il ne la fait pas dans le Beth HaMikdash. Il a fallu servir le Beth HaMikdash, mais qui voit encore le Ohel Moed. Ok? Donc en fait, il est à peu près ici, ouais, si on devait continuer. On est sorti du Echal, on est sorti de la Hazara, on est sorti de la Ezrat Nashim, on est sorti du Harabait, et on est complètement de l'autre côté en face, à l'est, et on doit voir de la place où l'on est, on doit voir la porte du Echal pour pouvoir asperger le sang. Ok? Ce qui est apparemment pas tellement possible, parce qu'il y a plein d'obstacles en route. Sauf qu'il n'y a pas vraiment d'obstacles, c'est pas vrai, parce que le Beth HaMikdash, il était dénivelé. Comme ce qu'on a expliqué, on monte plein de marches. Le Beth HaMikdash, tout le Harabait, il était construit sur une montagne, donc on n'a pas rasé complètement la montagne pour construire. On a aplani une partie, puis après on a laissé des marches, et on arrive dans une autre partie, et puis après encore d'autres marches, on arrive dans une autre partie. Il s'avère qu'en réalité, et regardez un petit peu pour avoir une idée. Je vous ai dit, si vous voulez recevoir le PDF parce que vous le voyez mal, eh bien, envoyez-nous un mail, on vous le renverra. Vous verrez. Il y a ici, c'est un dessin qui nous fait une coupe topographique du Echal, du Harabait, pour pouvoir voir un petit peu combien de marches on monte. Là, on entre par ici, par le Shahar HaMizrach, à la porte de l'Est. Et on commence à monter 12 escaliers. Chaque escalier, il fait une hauteur de une demi-amma. Donc 12 ma'alot, ça nous fait 6 amas. Après, on continue à monter 15 ma'alot, 7,5. Et après, donc, par là, on est rentré à la Ezrat Nashim.
Après, on est rentré dans les Eretz Israël. Après, il y a encore là-bas 3 marches. Après, on a 12 marches pour arriver jusqu'au Echal. Mais c'est-à-dire que si on a dessus toutes les marches, on a 12 plus 3, 15, plus 15, 30, plus 12 maalot, donc ça fait 42. 42 demi-amas, donc ça fait l'équivalent de 21 amas. Retenez ce chiffre, il est important. Les portes du Beth Amikdash, ou de l'Ezrat Nashim, ou du Harabait, elles faisaient toutes 20 amas, sauf la porte du Oulam, comme je vous en ai expliqué dans la chapitre précédente. Mais elles faisaient toutes une hauteur de 20 amas. Toutes les murailles étaient de hauteur où ça dépassait le mur du double. Soit, si ça fait 20 amas pour l'ouverture, eh bien on ajoute sur ça 20 amas, un mur de 40 amas, l'équivalent de 20 mètres à peu près, les murs du Beth Amikdash. Maintenant, on a un problème technique. Comme ce qu'on a dit, le Kohen, lui, il doit prendre la para, il doit prendre la vache rousse, et sortir complètement du Eichal, partir dans l'autre montagne qui se trouve ici, au Harabait. Excuse-moi, au Harezetim, le mont des Oliviers, le Haramishra. Et de là-bas, il doit faire la shrita, et puis après récupérer le sang, et asperger en direction du Echal en voyant le Echal. Alors, pour voir le Echal, alors on a besoin de cette coupe topographique. On a dit du sol jusqu'à la hauteur du Echal, le bas du carcar, on a déjà 21 amas. Or, le Kohen, s'il est de ce côté, il est limité ici par une hauteur de 20 amas. C'est l'ouverture du jar, elle fait 20 amas, donc il ne va jamais pouvoir voir qu'est-ce qui se passe à 21 amas. Il peut pas rester sur la montagne, voir en ligne droite et arriver à voir le Echal. Il va voir les marches du Echal, éventuellement, qui vont être cachées d'ailleurs par le Mizbeach. Du coup, la solution qu'on a proposée, c'est au lieu d'essayer de regarder par le haut de la porte, en transperçant tous les obstacles, eh bien, on te propose de monter encore un petit peu plus haut et de regarder au-dessus du mur. Or, si on construisait un mur qui faisait 20 amas au-dessus de la porte, donc il nous fait 40 amas, donc le Kohen ne pourrait plus voir non plus. De nouveau l'ouverture du Echal depuis la place où il sera. Du coup, l'au-dessus du portail du Shahar HaMizrach, du Harabait, et bien ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait le mur moins haut, de manière à ce que le Kohen va pouvoir maintenant monter un petit peu plus haut et regarder au-dessus du mur pour aussi transpercer toutes les portes et arriver et voir le Echal au moment où il va réussir à faire l'aspersion. D'accord? Donc c'est. Voilà, c'est la Mishnah qui nous a donc enseigné. C'est pour ça que finalement, le seul mur, tous les murs faisaient peut-être 40 amas, c'est-à-dire 20 plus 20, mais pour le mur du Echal spécialement, il faisait 20 amas. Pour le mur du Shahar HaMizrach uniquement, il faisait 20 amas, plus encore une petite amas ou 2 amas, histoire de pouvoir voir par-dessus pour atteindre la porte du Echal. Voilà pour la Mishnah d'Alet. Le problème, c'est que pour Mishnah Hé, on aura une longue Mishnah. Donc on la commence tout de suite, on présente un petit peu de quoi ça parle. Ezrat Hanashim aita orech mea ushloshim ama vachamesh ushloshim vechamesh al mea ushloshim vechamesh. La Mishnah m'enseigne comme ça. Sache que la Ezrat Hanashim, on a fini avec ce dessin, on va le reprendre. On va reprendre le dessin du Harabait que vous avez cette fois-ci dans votre PDF. C'est le premier dessin que vous avez du petit fascicule qu'on vous a envoyé des dessins. C'est ce dessin-là, c'est quoi ça? On voit concrètement, je m'approche un peu, vous voyez, on voit concrètement à quoi ressemblait le Harabait. Ça, alors maintenant, c'est important de bien faire un petit peu d'ordre. Le Beth Amikdash, c'est ça. C'est ce carré à l'intérieur spécifiquement. C'est la maison du roi, où il y a le Mizbeach, où il y a le Kodesh, et le Kodesh à Kodeshim. D'accord? On faisait toute la Avodat ici. Cette première pièce annexe, elle s'appelle la Ezrat Nashim, on va expliquer pourquoi c'est la Ezrat Nashim. Elle s'appelle la Ezrat Nashim, la section des femmes, qui ne fait pas partie du Beth Amikdash, mais c'est quand même une douche un peu supplémentaire depuis qu'on a dépassé le Chel qui était dehors. Et la Mishnah m'enseigne maintenant, sache que cette Ezrat Nashim, elle avait une taille de Ezrat Nashim, aita orech mea ushloshim vechamesh, al mea al rochav mea ushloshim vechamesh. La Ezrat Nashim avait, c'était en fait un carré qui faisait 135 amas sur 135 amas. Coupé 102, ça fait l'équivalent de 72, 135, ouais, ça fait 62, 60, non, j'ai un problème, 67,5. D'accord? À peu près 135, je calcule mal, ma tête est très fatiguée là ce soir. Mais 135 divisé par 2, ça fait, allons, c'est le faire, ça fait
65 plus 67,5 exactement. 67,5 mètres sur 67,5 mètres. C'est un grand carré de 135 amas, kala sur kala. Maintenant, attention, ça ne s'arrêtait pas là. En réalité, ce n'était pas un grand carré, une place vide, pas du tout. Il y avait. Donc, il y avait Arba Leshachot, et il y avait dedans Arba Leshachot Ayoub Arba Mixotea. Et il y avait quatre cabines dans ces quatre coins. Chaque cabine, elle faisait 40 sur 40. Et on, comme la Mishnah va le dire après. Il y avait quatre cabines, vous voyez qu'il y a quatre carrés, donc c'est réduit énormément l'espace. Quatre cabinets, cabines où on faisait certaines fonctions. Ce sera le but de la Mishnah de nous expliquer chacune d'entre elles. Mais d'abord, premièrement, la Mishnah me précise, Veloyou Mekorot, sache que ces cabinets n'étaient pas recouvertes, elles étaient découvertes par le haut. Shenehemar, Vekachem Atidim Liot, et comme ça d'ailleurs, lorsque Hachem reconstruira le Beth Amikdash, il nous refera aussi ces mêmes pièces qui seront là-bas. Shenehemar, comme nous dit le verset, c'est un passage dans Yechezkel, où le prophète Yechezkel, il a reçu par vision, lorsqu'il était à Babel, il a reçu par vision le Beth Amikdash, Hacheni, comment il. Ou Hachlichit plutôt, même je crois. Le Beth Amikdash, comment il devra être construit, les plans du Beth Amikdash. Et là-bas, il y a marqué comme ça, Voyotsieni, et Hachem me fit sortir, puisqu'il m'a fait visiter le Beth Amikdash, comme il sera. Il m'a fait sortir sur le Khatser Khisona, sur la cour externe, qui est à l'extérieur de la Hazara. Vayaavireni el arbaat miktso et Khatser. Il me fit passer dans les quatre coins de la cour. Vayne Khatser bimiktso et Khatser. Et voilà qu'il y avait une nouvelle cour à l'intérieur de la cour, dans le coin. Khatser bimiktso et Khatser. Et une autre cour dans l'autre coin de la cour. Barba. Miktsoot et Khatser, Khatserot Keturot. Et dans les quatre coins, il y avait des Khatserot Keturot, des petites cours. Keturot, complètement, c'est concrètement, c'est découverte. C'est découverte parce que si on leur avait mis dans l'encens, elle partirait au-dessus. Donc ça vient du mot Ketura qui vient de Ketoret. C'est une manière de dire une cour découverte. C'est-à-dire, en fait, la Michelle m'enseigne, sache que ça faisait 135 sur 135. Mais en réalité, Ven Keturot et là, Shenan Mekorot, et on appelle ce qu'on appelle Keturot. Qu'elles étaient Keturot, ça veut dire qu'elles n'étaient pas recouvertes au-dessus. Et donc il y avait les quatre, les Shachot, qui étaient dans les quatre coins de la Hazara. Regardez finalement combien de places il nous restait dans la Hazara, puisque ça faisait 135 sur 135. Mais on a supprimé un 40 sur 40, plus 40 sur 40, plus 40 sur 40, plus 40 sur 40. On a supprimé comme ça. Et ça fait qu'en fait, il restait 135 amas sur 55 amas, la croix qui reste. Enfin, d'accord? La partie qui reste ici, c'était 55 amas sur 55 amas. Étant donné que les charottes que le cabinet supprimait beaucoup dans la largeur. Un autre détail important aussi, c'est pourquoi ça s'appelle la Ezrat Nashim, la section des femmes. C'est pas vrai, il y avait les femmes comme les hommes qui pouvaient entrer là-bas. Pourquoi on appelle ça la section des femmes? Parce qu'en fait, la Mishnah nous précise que. La Mishnah nous précisera ici, elle le précise aussi surtout dans Sukkot, dans ce Maseret Sukkah, à la fin, c'est longuement expliqué, que Asimchat Bet HaShoeva, pendant les jours de Sukkot, le soir, les femmes se réunissaient pour danser. Tout le monde venait, il y avait même les femmes qui venaient aussi. Pourquoi pas, c'est normal. Mais le problème, il est que ça se mélangeait un petit peu trop, il y avait un petit peu trop de légèreté d'esprit. Du coup, les femmes ont instauré qu'on va construire des Xouz Teraot. On va construire des balcons partout. Comme ça, les femmes monteront et regarderont depuis le balcon. Comme ça, il n'y aura pas de mélange entre les hommes et les femmes. Et du coup, puisque maintenant, c'est dans cette Hazara, c'est dans cette cour que l'on a, qu'on a bien distingué les femmes, qu'elles ne se mélangent pas de manière un peu frivole aux hommes, eh bien, dans ce cas-là, on a appelé la Ezrat Nashim, à Ezrat Nashim, quoi. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov, c'est là.